C'est mieux sans toi. Silence plateau. Moteur. Action. Quoi ? Vas-y. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible. Les noms à reporter. Quand vous faites ça soigneusement, hein, le pédoncule ici, et puis surtout, ce que je veux bien voir sur la coupe, c'est le dessin où on aperçoit les pépins. Suite à un crime commis dans l'enceinte du lycée, nous rappelons à l'ensemble du personnel enseignant et aux élèves que la pomme est un objet strictement personnel et que toute dégradation à son encontre est considérée comme un acte criminel, passible de la peine capitale. Toute personne ayant des informations sur l'identité du criminel a ordre de se rendre immédiatement en vie scolaire afin de le dénoncer et de recevoir la Grande Légion Pommière. Vive le leader suprême, vive la pomme.
Je me lève le matin, xème jour de confinement, déjà ennuyé par la journée qui m'attend. J'enfile mes chaussons et je vais ouvrir les volets. Je m'habille. Je me coiffe vaguement et je vais faire ma dictée. Ensuite arrive rapidement le moment de manger. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Le pire moment de la journée, c'est le moment de la sieste. Parce que moi, je ne dors pas. Je vais donc jouer pour faire passer le temps. Au fin fond du Far West, nous retrouvons un drôle de duo. Voici Monsieur et Madame India. Ils vivent ici depuis 15 ans, depuis leur mariage. Mais un jour, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Même si nous sommes des jouets qui sourient tout le temps, je sens ton tracas. Mais voyons, mon amour, nous n'avons plus rien à manger. Si seulement on était riche. Mais ma chérie, où veux-tu qu'on trouve de l'argent? J'ai entendu dire qu'il y avait un trésor. Mais où ça? Là-bas. Monsieur Indien se lève d'un bond et s'en alla trouver ce trésor. Il roula pendant des heures et des heures. Son voyage était calme et sans encombre. Il finit donc par trouver l'endroit indiqué par sa femme. Soudainement, il entendit des voix. Il se précipita alors pour aller voir qui c'était. Il arriva dans une pièce peuplée de monde, et au milieu, il y avait le trésor. Il s'empressa de prendre le trésor et de partir le plus vite possible. Une fois sorti, il décida de prendre un bateau. Il a pris mon trésor! Attrapez-le! Il s'ensuit d'une course-poursuite sur l'eau. Il allait bientôt être attrapé quand un requin le sauva. Il a de la chance, cet Indien. Le temps passe très lentement, je vais donc cuisiner. J'ai dans le jardin bouffé des cigarettes russes. Je vois des trucs bizarres dans la maison. Puis enfin arrive l'heure de goûter.
Ensuite, j'ai mangé mon gâteau dans le jardin. La suite de la journée pas très intéressante. Je rentre dans la maison. Et puis je lis un livre, ou même deux ou trois. J'ajoute quelques couleurs qui ne plaisent qu'à moi. Puis c'est guitare, tricot et regâteau. Et je continue de dessiner le soir, même si certains dessins sont pas incroyables. Jusqu'au moment où j'entends quelqu'un monter. Olivier, c'est l'heure de dormir maintenant. Voici mes journées en confinement. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Thank you.
Merci. Souvenez-vous, les années 80, c'était quand même quelque chose, quoi. Regardez, les synthés, c'était pas mal. La reverb, c'était énorme. Et le fluo, la Game Boy, les casquettes à hélice, c'était énorme aussi. Or, regardez-vous aujourd'hui avec vos musiques de sauvage. Nous, on avait Madonna, Tina Turner, Desireless. Surtout, on avait Indochine. Et même Margaret Thatcher. Eh, vous savez, sinon, il y a les téléphones. Eating soup with my chopsticks. What the fuck is that? Oh, I think I win the lotto. Oh my god, can you believe me? But I don't like doing success. Smooth as water, attracted to the beast. They wanna smell my flower, oh my god, yeah. Fuck it when I rival with my lady, no problem. Cleaner than a rapper. She, no skinny model. She a shot. On se chie dans ce film. Grave. En plus, on a le générique de fin juste devant nous, mais on sait pas comment le lire. J'ai la solution. Arrête ça, ça va marcher? Non. J'ai une idée, vous devez me faire confiance. On n'a qu'à prendre le scénario, en fait. Ghetto Blaster.
a perdu ses couilles. Thank you.
Trop bien, on a géré l'équipe. Hein. Allez, on fait une pause. Allez. Je fais des arrangements, je vous rejoins. Notre morceau, c'est une tuerie. Ouais, carrément. Tu vas voir, c'est celle-là qui va nous faire décoller. De quoi? Non, mais ce soit plus réaliste. On croit pas en nous. Tu crois pas en ce qu'on fait? Ben si, mais regarde-nous, on est des petits musiciens. Enfin, on se fait repérer maintenant, c'est pas simple. On est peut-être des petits musiciens, mais nous, on est trop forts, regarde ça. Tellement connu qu'on parlera encore de nous dans 10 000 ans. Alors, dans 10 000 ans, on sera tous morts, mec. Ouais, carrément. Alors, tu t'en sors? Ouais, carrément. T'arrêtes de jeter du papier partout? Non, mais un papier de plus, un papier de moins, c'est pas grave. Tu te rends pas compte de la gravité de la situation. Il gaspille du papier. Le papier, c'est les arbres. Les arbres, c'est la vie. Et la vie, c'est la forêt. Qui dit gaspillage, dit déforestation, tu vois. Ça va ensemble. Et qui dit déforestation, dit manque d'oxygène. Donc on va tous mourir. D'ailleurs, tu vois, je commence déjà à mal respirer. Mais t'abuses un peu, là. Non, c'est la réalité. Bon, moi, je vais dormir. Si vous voulez venir, vous faites ce que vous voulez.
Mathias, bonjour, il y a Gladys qui est en train de nous rejoindre. Par contre, la connexion par téléphone est indisponible aujourd'hui, alors. Bien, vous allez... Salut, tu vas bien? Oui, ça va, je suis un peu fatigué après une grosse journée de travail. Non, tu fais quoi comme étude? Études de commerce, j'aime ça. C'est une école très réputée, tu connais? Oui, bah oui. J'en suis à ma deuxième année d'études. Je veux être directeur commercial. C'est une épreuve très difficile, très fatigante, mais j'ai toujours aimé le commerce. Et l'année prochaine, je passe mon master en fait. Avez-vous choisi? Oui, on va vous prendre deux grands verres de vin, un plat de nem et un plat de... Merci. Avec plaisir. Et sinon, t'as déjà eu des rendez-vous Tinder? Tiens, viens t'asseoir ici. Salut. Salut. Rappelle-moi ton prénom déjà. Lucie. Ah oui, Lily. C'est sympa, c'est vraiment pas mal. Ouais. Et moi, en fait, oui, pardon, c'est Julien. Et je suis dans une école de commerce, l'une des plus renommées de France. Mais c'est parce que mes parents avaient des contacts, du coup, ça s'est fait comme ça. Era un día, fueron un café con mis padres y el director, y hablaron de mi admisión, y desde ese día, entré en la escuela. Oui, pardon, des fois, je parle tellement bien espagnol que, entre le français et l'espagnol, je fais plus la différence, là. Tiens, ça me fait penser à ce qu'il a fait, ça me fait penser à ma dernière rencontre Tinder. Et sinon, tu fais quoi comme soir? Et parce que moi, je fais de l'escrime depuis très longtemps, très longtemps maintenant. Véritablement depuis que j'ai 5 ans. Je suis particulièrement doué pour mon âge. Tout mon entourage est épaté. Et si un jour tu viens dans ma chambre, tu verras qu'elle est entièrement recouverte de trophées de tous mes triomphes, de toutes mes victoires en championnat. Et comme tu as dû le voir sur internet, comme c'est sûr que tu l'as vu, j'ai gagné le championnat de France l'année dernière. Ah d'accord,
pardon, je suis vraiment désolée, excusez-moi. Mais c'est incroyable. C'est pas possible. Les femmes, vous êtes incapables de tenir un objet correctement. Vraiment, vraiment désolée. Regarde là. Vois ces femmes, incapables de servir un verre. Cela ne devrait-il pas être leur fonction principale? Regarde-les déambuler. Hagard, les yeux vides. À croire qu'elles ne savent même pas quelle est leur place. Mais comment tu peux proférer ces atrocités? Je pense quand même pas... Après tout, ont-elles réellement une place à tenir? Quel est leur rôle, au juste, en ce bas monde? Les hommes sont les piliers de notre société. Ils ont le monopole du progrès depuis la nuit des temps. Carlos Ghosn, Éric Zemmour, Johnny, voici des hommes bien en chair. Qu'ont fait nos soi-disant égales, en réalité? Une femme a inventé l'essuie-glace, certes, mais seulement bien après qu'un homme a inventé la voiture. Je l'ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas. La garce, que le diable l'emporte, elle est revenue. Elle est là, avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés. Elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées, la garce. Elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas. Va regarder, allez, va t'emporter ailleurs, ta triste gueule, de l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps. Je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant. Avant que sonne le problème et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime et vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas. Je sais que tes amours sont mortes, je suis revenue, me voilà. Ils t'ont récité le poème, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine.
Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait des nuits blanches. Elle s'est pendue à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches. Elle se couche à mes genoux. Partout, elle me fait escorte. Elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte. Elle est revenue, elle est là. La solitude. La solitude.
Thank you.
Léa, t'oublies pas d'aller au stand de la business school cet après-midi? Oui, papa. Pour vous, la conjoncture a des effets positifs. Elle indique que vous avez l'esprit ouvert à tout et que la nouveauté ne vous fait pas peur. Gémeaux, Lune et Mars se rencontrent enfin. Pour vous, mieux vaut tard que jamais. Certaines décisions ne peuvent être prises qu'avec du recul, après avoir appris de ses erreurs et parfois emprunté le mauvais chemin. Il n'est jamais trop tard pour repartir sur une nouvelle voie. Enfin, la phrase du jour, rien ne dit dans le chant de la cigale qu'elle est prête. Take it! We don't need the key, we'll break it! Bonjour tout le monde, vous pouvez vous asseoir. Buenos días a todos. Ya os podéis sentar. Bonjour tout le monde, vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous, petit rappel, n'oubliez pas que les bus pour InfoSup partent à 13h. Aucun retard ne sera toléré, idem pour les absences. Check this out.
Ooh, wow. From the point he gazed from, the choice was made. But walk the cave or the shore, the oily cave seemed to breathe on him from gravestone jaws. His little hand grasped in anguish as he weighed up his coin. Somewhere a blue-eyed girl in the world is just waiting for a boy. Footprints trailed as if trod by slaves up to the grey cave floor. But not one graze from anything ever escaping this fort. So with coin on hand, his joy came back when ordered to take the shore. Why on earth, as he wondered the warmth, am I obeying this coin? Turn your life on the flip of this coin. Turn upside, a choice you normally avoid. And promise me you'll follow what it says, whatever it says. Again, walk within the trusted beach or swim the swell of the sea. And again, the scary alternative looked like certain death to he. He never learnt the skill of swimming, it never occurred to be very easy. And again, he winced as he flipped his coin and it twirled to his feet. How is this saying? He blamed the coin, now aiming for the waves. As he hesitated at the swirl of water that now raged and rained. Blue-eyed girls were waiting and he was drowning in the spray. Blue-eyed girls you should be acquainted with, but for shouting and flailing. Turn your life on the flip of this coin. Turn upside, a choice you'd normally avoid. And promise me you'll follow what it says, whatever it says. He finally slugs it back to land, feeling chewed up and foolish. Empties his pockets on the sand, spewing a pool each. Staggers back to his dad, who's too cool to be. So he says, why did you have me follow this stupid rule, please? To be honest, little fellow, I'll tell you, I was just as afraid as you. But you said you wanted to get with people and places ever new. And I got a bit scared about the fate of my baby son's future. So I invented a reason to see whether you could ever make do. Appeared behind that rock looking angry at me. I soon realised what a hell of a man you've ended up being. I knew you'd worked out how to swim, which you hadn't had in me. And I stand as a companion of you, proudest a man has ever been. Turn your life on the flip of this coin. Turn upside, a choice you normally avoid. Again, walk within the trusted beach or swim the swell of the sea. And again, the scary alternative looked like certain death to he. He never learnt the skill of swimming, it never occurred to be very easy. And again, he winced as he flipped his coin and it twirled to his feet. How is this saying? He blamed the coin, now aiming for the waves. As he hesitated at the swirl of water that now raged and rained. Blue-eyed girls were waiting and he was drowning in the spray. Blue-eyed girls you should be acquainted with, but for shouting and flailing. Turn your life on the flip of this coin. Turn upside, a choice you'd normally avoid. And promise me you'll follow what it says, whatever it says. Finally slugs it back to land, feeling chewed up and foolish. Empties his pockets on the sand, spewing a pool each. Staggers back to his dad, who's too cool to be. So he says, why did you have me follow this stupid rule, please? To be honest, little fellow, I'll tell you, I was just as afraid as you. But you said you wanted to get with people and places ever new. And I got a bit scared about the fate of my baby son's future. So I invented a reason to see whether you could ever make do. And as soon as you appeared behind that rock looking angry at me.